tranquille. Oui, tu fumes. Ouais, t'es pas capable de fumer. Mais si, je suis capable de fumer. Vas-y, essaye. D'accord. Fais gaffe, ça va griller la gorge. Bah voilà, c'était pas compliqué. Il faut faire une incision au niveau des poumons et il faut faire très attention car cette opération peut le tuer. D'abord, il faut l'anesthésier. Scalpel. Scalpel. Pouf, mais il y a de la fumée là-dedans. Il est accro. Aiguille avec le fil. Aiguille avec le fil. Et voilà, c'est fini. Mettez-le en salle de réveil. Est-ce que ça s'est bien passé? Très bien, très bien. Votre enfant est guéri, ça y est, il est soulagé. Mais par contre, nous avons enlevé un de ses paquets. Voilà tout ce que nous avons enlevé. Vous saviez cette fumée? Non. Eh bien, il était vraiment accro. Ça y est, il est guéri. Il pourra retourner à la maison d'ici quelques temps. D'accord. Quelques semaines plus tard, Dorian rencontre un ami. Salut, ça va? Oui, ça va mieux après l'opération. Quelle opération? Bon, c'est pas grave. Tu as une cigarette, ça ira mieux? Non, non, surtout pas, c'est ton rêve. C'est à cause de ça qu'on m'a opéré. Pourquoi? Tu sais, c'est de la drogue. Il y a plus de 4000 drogues là-dedans. En plus, je conseille à tout le monde d'arrêter. Ah, mais moi, je savais... C'est à cause de ça. Je savais pas. Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Alors, t'arrêtes de fumer? Ouais, voilà ce que j'en fais de la cigarette.